Kevin comincia una nuova avventura con uno scudetto sul petto da difendere. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Une nouvelle aventure qui commence avec le scudetto sur le pec. Qu'est-ce que t'attends de cette aventure? Bah j'attends du bon niveau, un bon championnat, voilà, une belle année, une belle saison. Et voilà. Hai detto che si aspetta un bel campionato, una bellissima stagione, bello gioco, bella pallavolo. Quanto ha influito nella tua scelta la presenza di Erwin a Modena? Qu'est-ce que ça te fait que tu sois... Non, okay. Combien de temps j'ai. Enfin, comment je t'ai influencé pour venir, si je t'ai vraiment influencé? Bon, c'est pas bien compliqué. Non, c'est que voilà, avec Erwin, on a une amitié depuis un moment déjà, et c'est vrai qu'on s'entend bien, sur le terrain. Et c'est vrai que le fait que je sois là aujourd'hui, ça a joué quand même pas mal dans du fait qu'il soit là, quoi. Donc voilà. Che siamo amici da tanti anni, quindi non è stato molto complicato a farlo venire qua. E il fatto che io sono qua a giocare a Modena, per lui era quasi istintivo venire qua. Come stai? Cosa ti aspetti? Cosa pensi della 2 giorni di Supercoppa che state per affrontare? Bah, je pense que ça va être une grosse compétition même si ça va durer que 2 jours, il y aura un gros premier match contre Trento déjà d'une. Et puis après, voilà, finale s'il y a, et on verra comment ça se passe. Mais ce sera un beau volet, je pense. Il primo obiettivo, un grande appuntamento di pallavolo, e c'è già la prima sabato contro Trento e proveremo di fare il meglio. Hai visto il Pallapanini, hai giocato qua lo scorso anno in Champions League con la tua squadra, come insomma ti era sembrato e come sarà adesso esserci da protagonista? T'as vu cette salle, Pallapanini, l'année dernière déjà quand t'es venu jouer en Ligue des Champions. Qu'est-ce que t'attends de l'ambiance dans la salle? Bah, je pense que ça va être une belle ambiance, comme j'ai pas joué souvent ici, mais je sais que voilà, c'est toujours plein et ça fait toujours plaisir. Les spectateurs sont très gentils et fans jusqu'au bout et connaissent bien le volleyball et ils sont vraiment bons. Ha detto che non ha giocato. Scusatemi, ce l'hai dietro. Ha detto che non ha giocato tante volte qua, solo una l'anno scorso, però ha sentito dire in giro che questo giocare qua è speciale, che sa bene che i tifosi sono sempre carichi e si aspetta un palazzetto pieno. Ci dici un pregio e un difetto di Erwin? Traduci. Un défaut et une qualité. De toi? Sì, de toi. Une qualité, c'est qu'il est souvent souriant et voilà, et c'est le premier à rire, premier à parler, premier à rigoler, etc. Et le défaut, je dirais qu'il est un peu. Non, on va dire qu'il a le sang chaud. Il peut s'énerver rapidement pour pas grand-chose de temps en temps. Ouais, voilà. La qualità è che sono sempre sorridente, che scherzo sempre, e il difetto è che sono impulsivo. Ah, ok. Che non è Che non è vero. Bravo. Ok.